Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, voici les titres de ce mercredi 31 juillet. Une fierté pour l'AS Monaco Triathlon, la Française Cassandre Beaugrand, licenciée à l'ASM et championne olympique. Nous écouterons sa réaction et celle du club. Déception en revanche pour Quentin Antonielli, le rameur monégasque a terminé 5e ce matin et ne fera pas mieux qu'à Tokyo. Portrait dans ce journal de Marie-Charlotte Gasto, sprinteuse de l'ASM, qui entrera en piste vendredi. À quoi ressemblera le parcours du prochain rallye automobile Monte-Carlo? Quelles seront les nouveautés, les secteurs déterminants? Notre consultant Franck Philips nous répondra. Et puis c'était la dernière représentation de la saison au théâtre du Fort Antoine. À l'affiche hier soir, un seul en scène émouvant et plein d'humour, intitulé « Parler pointu », nous y étions. On commence ce journal par une triathlète en or, la Française Cassandre Beaugrand, licenciée à l'AS Monaco Triathlon et championne olympique. Sixième après avoir nagé 1500 mètres dans la Seine, elle a enchaîné les 40 km à vélo et fait la différence à la fin des 10 km à pied. On l'écoute au micro de Christophe Paco. J'avais vraiment aucune stratégie parce que je voulais juste vivre au moment présent et en fait ça a été... Je pense que j'étais poussée par le public. À un moment, j'ai eu un peu les ailes qui m'ont poussée et j'ai voulu partir. Un peu au bluff peut-être, mais au final, ça a été les derniers 1500 les plus longs de ma vie peut-être. Et en même temps, j'ai pu savourer après. En fait, je réalisais pas vraiment, mais c'est vrai que quand je voyais écrit par terre avec la banderole Paris 2024, je me suis dit ça y est, je l'ai fait. Et j'avais envie juste que quelqu'un me réveille, quoi, parce que j'ai l'impression que j'étais encore en train de rêver. Je pense que je commence un peu à réaliser, surtout un peu sur le podium, mais surtout de voir mes proches en pleurs, ça a été quelque chose d'émouvant quand même. Une grande joie pour elle et une immense fierté pour son club. On écoute l'entraîneur de l'ASM, Denis Vatrin, et l'ancien triathlète, Hervé Banti. Très heureux pour Cassandre, qui est licencié chez nous à l'ASM depuis 2 ans. Et très heureux aussi pour la section, parce que quelque part, c'est un peu l'ASM qui gagne. Nous, on lui a envoyé des messages de soutien et surtout pour la féliciter de son résultat, quoi. Voilà, on peut pas faire mieux, hein. L'or olympique, c'est en plus la première... on va dire dans le monde du triathlon, la première médaille olympique dans le triathlon. Donc c'est quand même quelque chose, elle marque l'histoire. Et on est fiers quoi. On est fiers pour le triathlon et fiers pour l'ASM, fiers pour elle, fiers pour tout le travail aussi que le club a fait depuis des années. Pour les jeunes du club, c'est quand même une vitrine pour nous. Et ça va certainement nous donner beaucoup d'inscriptions, enfin de choses à discuter sur le triathlon. Donc ça va être très très bien pour nous. En aviron, le niveau était décidément trop relevé. Quentin Antonielli n'a pu faire mieux que 5e ce matin. Il disputera une dernière course pour déterminer sa place finale entre la 19e et la 24e, loin de la 15e obtenue aux Jeux de Tokyo. Écoutez Mathias Raymond, chef de mission de la délégation monégasque, qui a participé aux Jeux de Pékin et de Londres. Nous attendions vraiment à ce qu'il puisse terminer dans ce fameux top 3 qui lui aurait ouvert les portes de la finale C. C'était ce qu'il avait réussi à atteindre comme objectif il y a 3 ans à Tokyo. Et donc voilà, on s'était dit qu'avec l'entraînement intensif qu'il a fait, il arriverait à rééditer cet exploit parce que rentrer en finale C, vu le niveau, ça reste quand même une performance exceptionnelle. Et malheureusement, il était un petit peu trop juste aujourd'hui. Alors à sa décharge, la concurrence était vraiment très relevée. Ce qui a fait que cette concurrence est relevée, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, notamment je pense vraiment l'augmentation du niveau global, c'est-à-dire qu'il y a, on le remarque, une densification très importante globalement de tous les rameurs. Les très bons sont toujours au-dessus, ça c'est incontestable, et en dessous par contre il y a beaucoup plus de rameurs qui sont très rapides. Et Quentin est dans ce groupe de rameurs très rapides, et donc si un jour on est en méforme, ce qui s'est sans doute passé pour lui aujourd'hui, tous les autres qui sont là et qui eux sont dans un bon jour s'en sortent, et donc c'est ce qui peut expliquer en partie la performance de Quentin. Donc il termine 5e, ce qui le qualifie en finale D. Finale B, donc c'est quand même un top 24 aux Jeux Olympiques, et j'espère qu'il aura à cœur sur cette finale d'aller chercher la victoire, ce qui lui donnerait donc une 19e place olympique, ce qui reste un classement, encore une fois, eu égard au contexte actuel et l'augmentation du niveau vraiment très significative, une performance honorable. Des Jeux qui se terminent pour certains et commencent pour d'autres. La monégasque Marie-Charlotte Gasto disputera vendredi le 100 mètres, considéré comme l'épreuve reine en athlétisme. On sera tous derrière elle. Émilie Terrasson et Camille Caloni l'ont suivie à l'entraînement à Monaco.
Participer aux Jeux Olympiques est un rêve devenu réalité pour cette jeune monégasque. Chaque semaine, depuis des années, Marie-Charlotte Gasteau s'entraîne pour être la meilleure dans sa discipline, la course à pied. Pour le moment, je ne réalise toujours pas, en fait, honnêtement. Mais non, je le prends vraiment comme une expérience, une bonne première expérience. C'est quand même un plaisir d'être là, c'est une fierté. Et non, je ne mets pas de pression parce que il faut pas, sinon je passe à côté de mes jeux. C'est à ses 7 ans que ses parents l'inscrivent à l'athlétisme le mercredi après-midi. À partir de là, naît une véritable passion. À 15 ans, elle commence le sprint, s'essaye au haie avant de trouver son équilibre aux 400 mètres. Concourir pour le 100 mètres aux Jeux Olympiques est un véritable challenge. Donc là, j'ai repris un peu donc les entraînements type sprint pour le 100 mètres. Donc là, on est encore en pleine prépa. Je vais encore m'entraîner jusqu'au 2 août, donc même sur Paris, je vais continuer les entraînements. Et voilà, maintenant, après, il n'y aura plus qu'à. Pour ses premiers Jeux Olympiques, Marie-Charlotte Gasteau est entraînée par Céline Grossel. Une préparation sur des années qui lui permet aujourd'hui de représenter la principauté. Les entraînements, c'est quotidien, donc toute l'année. Et après, c'est tout un processus de compétition à faire, pour essayer de gagner sa place, d'être le plus haut possible au ranking mondial. Donc chaque compétition donne accès à un certain nombre de points. Et les points font qu'elle gagne des places au ranking qui lui permettent de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Pour la coureuse monégasque, concourir aux Jeux Olympiques est donc avant tout une source de plaisir. On retourne à Paris où l'organisation Peace and Sport organisait hier une conférence intitulée « Paix et sport, un lien en or ». On rejoint sur place nos envoyés spéciaux, Émilie Rousseau et Hugo Comaza. Émilie, la solidarité, la paix et l'inclusion sociale sont au cœur des discours des différents dirigeants depuis le début de cette Olympiade. C'est le message relayé aussi par Peace and Sport depuis sa création. Oui, et quoi de mieux que les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour véhiculer ce message que porte l'organisation monégasque créée en 2007. Elle a choisi la Casa Colombia, située au Parc des Nations à la Villette, pour présenter l'un de ses programmes menés notamment à Bogota. Le sport a ce pouvoir de rassembler, d'unir, de fédérer. Son rôle peut être étendu en devenant un vecteur de paix, une équation qui est prouvée depuis de nombreuses années par Peace and Sport et qui porte ses fruits. Le sport, c'est un superbe outil au service du développement et de la paix. Alors évidemment, ici, on parle beaucoup de performance, mais très honnêtement, cet outil, on va continuer à l'utiliser et être au cœur de la Colombie. C'est extraordinaire pour nous puisqu'on a un programme depuis maintenant plusieurs années et on a un partenariat historique entre Monaco et la Colombie et on se fait un plaisir de rappeler ce partenariat diplomatique. Parmi les programmes menés par l'organisation monégasque à travers le monde, Peacemakers Project Colombie vise à améliorer la qualité de vie des enfants colombiens les plus vulnérables dans un pays où les inégalités demeurent encore. L'ancien basketteur Florent Pietrus, 5 fois médaillé avec les Bleus, est aujourd'hui un champion de la paix Peace and Sport. Il s'est rendu à Bogota en novembre dernier, au contact de ces jeunes défavorisés. J'ai été vraiment submergé d'émotions parce que les enfants, ils avaient la banane pendant les 4 jours et ça donne du sens. Je pense que pour moi, c'est super important de donner du sens à mes actions et c'est vrai que Peace and Sport m'a offert l'opportunité de mettre en pratique tout ce que j'ai envie de faire pour la jeune génération, que ce soit en Colombie ou que ce soit ailleurs dans le monde. C'est de leur donner espoir et leur dire qu'il faut continuer justement de rêver. Et encore une fois, je parle de beaucoup de responsabilités, mais c'est vraiment de notre responsabilité de continuer à les aider, de continuer justement à les soutenir et pour leur offrir une vie meilleure. Le gouvernement colombien s'engage également dans cette démarche, lui qui veut parvenir à une paix totale. Le sport sert ici de première pierre au dialogue et à l'inclusion sociale. Une première victoire qui en amènera d'autres. Peacemakers Project Colombie en est l'exemple et sert aujourd'hui de programme référence. Il y a 10 jours, Monaco accueillait la dernière étape du Tour de France, un immense succès que l'on doit notamment à tous les bénévoles. Une soirée était organisée à l'auditorium Régnier 3 pour les remercier, en présence du conseiller de gouvernement Patrice Sellario et du commissaire général de l'étape du Tour de France à Monaco, Christian Tornator. Le reportage de Frédéric Elion et Alexandra Marangoni.
Après l'effort, le réconfort et aussi les remerciements. 10 jours après la dernière étape du Tour de France entre Monaco et Nice, le gouvernement organisait mardi soir à l'auditorium Régnier 3 une soirée pour remercier les 153 bénévoles présents sur le terrain dimanche 21 juillet. Tous ont parfaitement rempli leur rôle et les retours venant d'ASO ou des riverains ont tous été très positifs. C'était vraiment une soirée qui reflète vraiment ce qu'on a vécu et le retour de chacun. C'est la première fois que je fais bénévole pour cette manifestation, mais j'ai pris vraiment un réel plaisir à accomplir ma journée. Et malgré la difficulté de rester debout de longues heures, on a quand même vécu de bons moments et on était vraiment fiers de pouvoir aider et d'avoir été utile à cette manifestation, quoi. C'est une délicate attention, il faut reconnaître, hein, de nous inviter comme ça. Puis on se retrouve, j'étais un peu impatient de retrouver certains gens que j'ai connus, certaines personnes que j'ai connues ici. C'était sympa, ça. Et je participe aussi parfois à du bénévolat. Je suis un peu impliqué dans le milieu du sport, notamment. Et donc, ce que j'ai apprécié ici, c'est que c'est un encadrement, mais extrêmement favorable. Tout le circuit barriéré, mais c'est un vrai plaisir. Je trouvais que c'était très agréable et très sympathique. C'était vraiment une très bonne idée. Ça permet de clôturer cette expérience qui était sympathique. Moi, ce que je garde, c'est qu'il y a 15 ans, j'étais là, et en 2009, et je suis là en 2024. Donc, non, moi, ça me plaît garer les camions, faire le paddock. Je l'ai fait pendant presque 20 ans à l'Automobile Club. Donc, tout ça, ça me plaît. Et, le milieu du vélo, bon, c'est pas trop mon milieu parce que c'est un sport qui est dur. Mais moi, j'aime ça, l'organisation, tout ça. Être avec d'autres bénévoles, ça me plaît beaucoup. Et certains de ces bénévoles seront peut-être de nouveau sur le terrain en 2026, puisque la Vuelta, le Tour d'Espagne, s'élancera de Monaco dans 2 ans. On connaît le parcours du prochain rallye automobile Monte-Carlo, qui se tiendra du 20 au 26 janvier. Pour en parler, nous sommes en duplex avec notre correspondant auto, Franck Philips. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Le comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco parle d'un tracé sélectif, exigeant, encore plus que les précédents. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, effectivement, les deux Romains du comité de l'Automobile Club de Monaco, c'est-à-dire Romain Pugliese et Romain Aulabourdette, qui sont en charge de faire le tracé, de découvrir des petits pièges qui n'ont pas été parcourus jusqu'à présent, nous ont concocté une belle première étape, à savoir que l'année dernière, nous avions 2 épreuves chronométrées et cette année, nous en avons 3 en hors d'œuvre de cette nouvelle édition. Quelles sont les autres grandes nouveautés par rapport à l'an dernier ? Alors, on a deux spéciales inédites qui n'ont jamais été parcourues à ce jour. Et puis, on a un retour d'une très vieille légende du rallye de Monte-Carlo, qui est la Motte Chalençon Saint-Nazaire-le-Désert, qui n'a pas été courue depuis les années 90 et qui peut être le juge de paix parce qu'aujourd'hui, enfin, sur le parcours qui est pas encore finalisé à 1000%, on va dire, cette épreuve chronométrée va être très, très, très sélective, étant donné qu'on est plein nord pendant 27 km. Quelles seront les autres étapes, les autres secteurs importants, ceux qui pourraient faire la différence ? Alors je pense qu'à partir de la deuxième journée, donc ces 4 chronos qui vont être faits 2 fois, dont celle que je viens de citer, vont être assez décisives parce qu'on retrouve aussi une spéciale qui a été de légende l'année dernière, qui était la spéciale la plus spectaculaire dans la nuit où il y avait plus de 14 000 spectateurs dans les lacets de Solonet-Brézier. Cette spéciale aussi fait partie du gros morceau de la deuxième étape. Quelle place pour Monaco dans ce parcours 2025 ? Ah ben on fait le départ en place du Casino et on fait l'arrivée départ du Casino. Ouais, c'est un cadre unique, hein, et magique pour les pilotes comme pour les spectateurs. Oui, tout à fait, c'est un cadre exceptionnel. On est en plein milieu de Monte-Carlo, du Casino, et c'est très symbolique pour nous. Moi, ancien pilote, j'y ai justement passé ce podium à plusieurs reprises, et franchement, c'est un truc très sympa. Ce sera la 93e édition. Qu'est-ce qui fait le succès de ce rallye année après année ? En fait, c'est la difficulté, et puis juste un terme, la légende, parce que c'est un parcours qui est très difficile parce qu'on a toujours
l'incertitude si la neige arrive, si le froid est là, le verglas. Donc c'est des épreuves chrono qui sont atypiques sur un championnat du monde complet. Il y a la spécificité du Monte Carlo et puis comme je disais, c'est la légende du sport. Tout le monde se bat pour faire le Monte Carlo et tout le monde se bat pour gagner Monte Carlo. Même les amateurs, le fait de participer sur cette épreuve mythique du championnat du monde des rallyes, et bien effectivement, c'est ça qui fait le gala et du rallye. Le 93e rallye automobile Monte Carlo, ce sera donc à suivre du 20 au 26 janvier 2025. Merci Franck Philips. Merci à vous et bonsoir à tous. La billetterie pour le Monaco e-prix 2025 est ouverte. Pour la première fois, la principauté accueillera deux manches du championnat du monde. Elles se dérouleront les 3 et 4 mai. Comptez de 30 à 45 euros par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans qui vous accompagnent. Football, Lamine Camara signe à Monaco. Le milieu de terrain international sénégalais de 20 ans s'est engagé pour 5 saisons. La saison dernière, il évoluait à Metz où il a disputé 33 matchs. Il s'est aussi illustré en inscrivant un doublé lors du premier match de la CAN en janvier dernier. Clap de fin pour la saison estivale du Théâtre du Fort Antoine. Au total, 8 représentations dans un superbe écrin entre théâtre et concert. La dernière pièce a été jouée hier soir, où il était question principalement d'accent. La preuve dans ce reportage de Fabien Bonilla, Alexandra Marangoni et Alexandre Gougassian. Ah là, j'ai un flambi, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et un deuxième? De toute façon, j'avais le trac, alors je les ai tous bien chargés, hein, vous inquiétez pas. Pour qui ? Une pièce de théâtre qui commence bien avec la distribution de pastis. Benjamin Tolozan, aujourd'hui parisien, a grandi dans un village du Midi, berceau d'Alphonse Daudet. Toute sa famille y vit encore et ils parlent tous avec l'accent, sauf lui. Il a changé d'accent en prenant des cours de théâtre dans la capitale. Il parle, comme on dit dans le sud, pointu, d'où le nom de la pièce, parler pointu. Ça vient du Corse, Pinzutia, les Pinzutu, le pays pointu. Ça fait référence aux régions septentrionales de la France, aux tricornes des soldats du roi de France. Ça désigne un parler dont l'accent tombe uniformément sur la finale et donne une impression de sécheresse, quelque chose d'un petit peu serré, un petit peu coincé du cul. Comme ça. C'est une phrase que me répétait beaucoup une partie de ma famille, et notamment mon grand-père, parce que depuis que je suis monté à Paris pour faire des études de théâtre, on m'a beaucoup dit que je parlais pointu. Je trouvais que c'était un beau titre, ça résumait plein de problématiques en une seule. C'était aussi un moyen. J'aime bien ce terme parce que c'est un peu le renversement d'une norme en fait. C'est dire à l'autre, en fait, c'est toi qui as un accent. Parler pointu est un voyage qui passe par la Rome antique, les troubadours de Languedoc, la cour des rois de France ou encore les premiers membres de l'Académie française. C'est une sorte de conte initiatique dont le thème principal est la perte d'identité, une sorte de conférence illustrée sur la glottophobie, autrement dit sur la discrimination linguistique en fonction de son accent. On a eu envie avec la metteuse en scène Hélène François d'écrire un spectacle sur ça. Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que derrière la question de l'accent, il y avait la question des langues régionales, puisque les accents sont les vestiges de ces langues qui étaient parlé autrefois en France. Et donc on s'est plongé dans l'histoire de ces langues et de comment ces langues ont perdu des locuteurs, comment elles ont peu à peu diminué, régressé et quasiment disparu pour certaines. Et aussi on s'est rendu compte que c'était une histoire beaucoup moins... assez violente en fait et assez tragique et beaucoup plus brutale que ce qu'on s'imaginait au départ avec ce point de départ sur les accents qui étaient très légers et les petites plaisanteries qu'on peut faire ou les imitations. Voilà. Ce presque seul en scène, puisqu'il est accompagné d'un musicien, est émouvant, plein de vitalité et d'humour. Parler pointu a ainsi clos la saison du Fort Antoine. Mais j'ai pas d'accent moi, hein. C'est vous qui avez un accent. C'est la meilleure. Non, nous parlons un français tout ce qu'il y a de plus normal, monsieur. Académique. Escamillo, l'amant de Carmen, il est espagnol, pute borgne. Il parle pas pointu, il parle espagnol, joder. Chinga tu madre, cabron. Arrête, José, mi chifada. Ma que me fa cagar, et c'est coño su madre. Ma la puya, coño. Les travaux au Métropole Monte Carlo sont reportés d'au moins un trimestre. Initialement, l'hôtel, ses restaurants et son spa devaient fermer à partir du 2 octobre pour permettre la rénovation des chambres et des suites. Ils resteront finalement ouverts au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année. La météo de ce jeudi, quelle tendance, Alban Jean-Jambes ?
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Rien de nouveau à l'horizon, il continue de faire beau et chaud en Principauté. Une très légère baisse des températures est attendue demain. Le thermomètre affichera au minimum 25 degrés le matin et jusqu'à 30 degrés l'après-midi. Nous serons toujours en vigilance orange canicule, donc n'oubliez pas les gestes réflexes pour bien vous protéger. Et en ce jeudi 1er août, ayez une pensée pour les Alphonse. Merci Alban, on se quitte avec les photos des bénévoles du Tour de France qui ont grandement contribué à la réussite de ce contre-la-montre historique. Photos signées Charlie Gallo et Stéphane Dana. Excellente soirée, à demain.